Je suis Emmanuelle Auréard, je suis responsable du service attractivité, recrutement et carrière pour le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine. Donc mon métier consiste à contribuer au développement et à l'épanouissement des femmes et des hommes de l'entreprise. En fait, il s'agit avec l'équipe de la direction des ressources humaines de mettre en cohérence les talents en fonction des ambitions de l'entreprise, de participer à la montée en compétences des équipiers et accompagner leur parcours professionnel, et de développer notre marque employeur afin de renforcer notre activité et fidéliser nos collaborateurs. Alors les ressources humaines ont évolué au fil des années. Peut-être que c'était perçu avant comme un poste plus administratif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un poste de vraiment business partner. Les ressources humaines sont au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est un métier transverse et en relation avec toutes les directions. Et c'est ce qui rend ce métier challengeant et passionnant. Mais ce qui le rend vraiment unique, à mon sens, c'est la fierté et le plaisir qu'on peut éprouver lorsque nous contribuons à faire évoluer des collaborateurs ou encore à détecter le potentiel d'un candidat pour les inscrire vraiment dans la réussite. Mais pour les moins bons moments, il nous tient tout autant à cœur de pouvoir trouver des solutions et débloquer des situations. Donc, j'ai intégré le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine il y a maintenant une quinzaine d'années. J'ai commencé mon expérience au service marketing en tant que chef de produit. Après, j'étais responsable de l'équipe des chefs de produit. J'ai pu aussi aller tenter l'aventure d'expérience de réseau d'agences puisque j'étais directrice de 3 agences dans le sud du département. J'ai repris des fonctions après au siège puisque je me suis occupée d'ouvrir le village Baïséa. Une fois ce village ouvert, j'ai exercé le métier de start-up manager. Et mon poste juste précédent, c'était responsable de la filière santé et bien vieillir que j'ai contribué donc à créer et à animer pour ces 2 dernières années. Et désormais, je suis responsable du service attractivité, recrutement et carrière. LinkedIn était définitivement vendredi. Alors, si j'étais un emoji, je dirais celui qui serre la main, parce que ce que j'aime, c'est créer du lien, tant d'affaires que de convivialité.